Bonjour, après avoir parlé la semaine dernière de la volonté, aujourd'hui nous débutons la semaine consacrée à l'autonomie et nous allons la débuter par définir ce qu'est être une personne autonome. L'autonomie passe bien entendu par la volonté, c'est le thème que nous avons abordé la semaine passée. Ceci étant, être autonome ça veut dire quoi? Ça signifie savoir ce que l'on veut, donc qui rejoint un peu la volonté, avoir la volonté d'aller vers cela et y aller, effectivement. Mais ça ne suffit pas. Être autonome, c'est faire cela sans être influencé, sans changer d'avis par l'influence de quelqu'un d'autre. En plus, être autonome, ça veut aussi dire qu'on est capable de mobiliser nos ressources pour y aller. Donc ça, c'est ce qui vient après la volonté. Et les ressources dont on peut avoir besoin, c'est éventuellement d'une autre personne, de l'aide d'une autre personne. Donc être autonome, ça signifie aussi de pouvoir accepter, momentanément en tout cas, l'aide de quelqu'un d'autre qui vient nous aider, nous accompagner vers le but que l'on s'est fixé. Je voudrais revenir sur le fait de ne pas se laisser influencer par les autres. Alors, quand on a décidé quelque chose, qu'on a la volonté d'y aller, le fait de toujours remettre en question, et en tout cas assez pour changer d'avis en cours de route sur quelque chose, surtout quand cela vient de l'influence des autres, et eh bien c'est là où on perd l'autonomie, parce que finalement on s'en remet au jugement des autres en permanence, y compris pendant les premières actions qu'on a décidées, choisies pour aller vers l'objectif que l'on s'est atteint. Et c'est en ça qu'il y a une espèce de, finalement, de dépendance qui s'installe. C'est pour ça que dans la définition qui nous est proposée, être autonome est associé au fait d'aller vers quelque chose sans être influencé, sans changer d'avis sous l'influence de quelqu'un d'autre. Donc si on synthétise tout ça, être autonome ça veut dire pouvoir se débrouiller tout seul sans être dépendant de quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire tout seul de façon vraiment isolée, sans interagir avec les autres. Ça veut juste dire qu'on a décidé nous-mêmes où on veut aller, on sait nous-mêmes quels sont les moyens à rassembler, à mettre en œuvre et comment les trouver, comment aller les chercher, puis les coordonner pour atteindre ce but. Ça, c'est l'autonomie. Et finalement, vouloir faire tout seul, enfin vouloir faire tout seul sans interaction avec d'autres, ça c'est autre chose et c'est l'indépendance. Voilà pour cette première journée consacrée à l'autonomie. J'espère que ça vous a plu. Que dire d'autre ? Pas grand chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et comme chaque jour, je vous encourage à prendre soin de vous avant tout.